Hein? Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Zach Build. Aujourd'hui, on va changer de thème, on va passer dans la construction moderne et on va construire pas à pas le Monster Truck que vous avez pu voir dans la petite vidéo d'intro. Mais alors pour cela, je vais devoir changer de pack de texture. Eh mais sans Zach, mais c'est n'importe quoi. Tu nous avais dit dans ton premier épisode qu'il fallait pas utiliser des textures pas différentes et shaders quand on construisait. Merci pour ton intervention, Billy. Oui, donc en fait, on va changer de pack de texture, et il y a des raisons à cela, c'est que le pack de base de Minecraft n'est pas réellement adapté pour faire la construction moderne. C'est vachement bien pour faire de la fantasy ou du médiéval, mais comme je vous disais, le moderne, c'est pas top top. Donc du coup, on va utiliser le Flow HD. Donc le Flow HD qui est un pack qui, lui, est bien adapté pour ce type de construction. Et pourquoi j'ai choisi celui-là? Bah, c'est parce qu'il a un petit côté cartoon et épuré que j'aime bien, en fait. Donc voilà, ça c'est purement personnel. Et donc, on se retrouve tout de suite pour l'inventaire des matériaux. Pour réaliser cette construction, vous aurez besoin de 36 black stone clés, 30 boutons, 6 iron trapdoors, 44 stone brick stairs, 8 leviers, 26 motifs cobalt stone wall, 4 fence gates, 4 anvils, 2 under chests, 4 fence, 12 stone brick slabs, 28 laines de couleur, 32 carpets, 2 chests, 4 glaces, 6 glass panels, 4 crânes, 2 skins, 2 whistings, 4 item frames, 2 blocs de redstone, 4 cobalt wall et quelques toiles d'araignée. Hop et là! Et donc on se retrouve pour le petit tuto construction pas à pas. Alors, vous allez commencer, on va commencer par les roues tout d'abord. Vous placez deux blocs donc de black stain clay côte à côte comme ceci. Et vous faites la même chose à deux blocs d'écart. Ensuite, on va compter quatre blocs. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on les pose comme ceci. Donc là, vous avez l'emplacement des roues de la bête. Donc... on va faire une forme de U, comme ceci. Et tac, on va refaire la même chose dans l'autre sens. En gros, là, vous avez un trou, ici, là. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous passez sur le devant de la roue, des petits boutons pour faire des boulons, et hop. Ah, ouais, je sais pas si on pourrait appeler ça un enjoliveur, mais une petite grille au milieu. On met des escaliers... comme ceci, hop, et pour fermer la grille, on va mettre un levier dans le trou qu'on a laissé à l'intérieur de la roue. Et voilà, vous avez votre première roue, donc des roues assez massives, hein, la définition même d'un Monster Truck, hein, c'est que c'est un 4 roues motrices avec des roues surdimensionnées. Je vais faire les 3 autres roues en accéléré, et on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve avec nos 4 roues. Donc maintenant on va attaquer le châssis de la bête. Alors pour ça, moi je vais utiliser de la Mossy Cobblestone. Si vous n'êtes pas en pack de texture Flow HD, utilisez des murets de cobble standard. Là on utilise les Mossy parce que ça donne ce petit côté un peu vert. Et pour faire un châssis plus foncé sous le dessous, ça rend plutôt bien. Alors, vous mettez donc 4 blocs de chaque côté comme ça, pour faire l'arbre. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous mettez un bloc de support ici, un bloc là, vous cassez le bloc de support, et vous faites 4 comme ça. Donc alors, un Monster Truck, ça marche comme ça, vous avez donc forcément l'arbre avec les roues, et vous avez un bloc sur lequel les suspensions vont venir se fixer en fait, c'est-à-dire que les roues... qui sont ici vont pouvoir monter vers le haut ou vers le bas, c'est des suspensions relativement impressionnantes. Donc pour représenter ces suspensions, on va utiliser donc des barrières qui vont pas venir se fixer au bloc là, et hop, des enclumes pour représenter ça. Donc là vous voyez, on a l'impression que la,
que cette partie-là n'est pas directement attachée à celle-là et qu'il peut y avoir du battement. Ensuite, tac, alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de prendre. Voilà, petit bâton. On va mettre des bâtons sur le milieu et on va faire le châssis de la bestiole. Le châssis, la partie sur laquelle va reposer juste après la carrosserie. Tac. Donc on arrive là. Et là, on va choisir où se trouvent l'avant et l'arrière du véhicule. Donc pour l'avant, moi je vais dire que ça va être de ce côté-là. Et là, je vais venir placer deux coffres de l'end. Si vous êtes en survie, vous pouvez mettre des fours, hein, ça rend très bien aussi. C'est pour simuler le moteur en fait. Et là, je me suis rendu compte que j'ai juste oublié de mettre deux murets de cobble pour cacher les enclumes. Donc voilà, vous retrouvez avec un joli châssis. Donc maintenant, on va s'attaquer à la carrosserie de la bestiole. Donc on va mettre les garde-boues autour des roues. Allez, c'est parti. Tac, maintenant, on va faire le pare-choc. Je vais vous donner une petite forme comme ça. Alors, il faut savoir que les Monster Truck, c'est des véhicules qui, en tout cas pour les Monster Truck modernes, c'est des véhicules qui possèdent un châssis tubulaire, c'est-à-dire que le châssis est rond, c'est composé de barres de métal rondes et creuses intérieures. Ça permet d'alléger la structure. Au niveau des moteurs, ils ont des V8 la plupart du temps. Ce qui fait qu'ils ont quand même beaucoup de puissance et ça leur permet de faire des sauts et ce genre de choses. C'est assez drôle, mais si vous allez par exemple aux États-Unis, ils ont des arènes et donc ils font des concours de Monster Truck où ils doivent sauter par-dessus des bagnoles et tout. Enfin, ça, c'est les Américains quoi. Voilà, donc là on a la carrosserie de notre bestiole. Maintenant on va utiliser des carpettes donc pour habiller le tout. Alors moi je vais utiliser, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre des carpettes à cet endroit là, mais moi j'aime bien mettre un coffre, ensuite shift et espace en même temps pour pouvoir placer des blocs sur le coffre et vous placez deux carpettes comme ça. Voilà, comme ça vous avez un petit coffre à l'arrière de la bestiole. Donc nous, ça va être une forme de pick-up hein, pour notre Monster Truck. Avec, bien sûr, à l'arrière, rien, et à l'avant, la cabine. Hop, un petit peu de verre. Et petite anecdote aussi, le premier Monster Truck date de 1974. C'est donc un Monster Truck qui avait été construit par une entreprise de véhicules tout-terrain. Qui voulait faire sa promo et donc elle a construit un 4x4 haut sur roue entre guillemets pour aller se balader dans les foires etc et faire parler d'eux. Et comme c'est une opération commerciale entre guillemets qui a bien marché, bah, ça s'est un peu démocratisé par la suite, en tout cas aux États-Unis, et c'est pour ça que c'est connu aujourd'hui. Alors vous mettez d'abord des trappes à l'avant. Hop, boule. Et là, vous mettez des leviers et vous actionnez les leviers. Si jamais, par malheur, vous faites l'inverse, bon, c'est pas dramatique, mais et que vous avez la flemme d'aller retoucher au levier, vous mettez un bloc à côté, ça va créer une update et la trappe va se refermer d'elle-même. Hop, donc on en arrive là. On va pouvoir reprendre la moquette pour fignoler l'avant. Donc là, pareil, shift espace pour cliquer sur les leviers sans les activer. Et donc là, on va mettre en place les phares. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, juste de la moquette comme ça. Moi, je vais en mettre parce que j'aime bien. Donc j'utilise des crânes pour ça. Si vous avez des packs de textures spéciales, vous avez peut-être d'autres choses à la place des crânes. Et les crânes, pourquoi je fais ça? On ne peut pas les mettre sur du verre, en fait. Par contre, sur des blocs plats, on peut. Et bon, là, c'est pas pratique pour voir, mais ensuite, hop, la petite astuce, c'est de remplacer les blocs pleins par du verre. Et la magie de Minecraft, hein, ça tient. Voilà, donc on fait le toit. Hop,
Tac, tac. Et alors là, on va vouloir mettre de la laine pour finir le toit. Donc, deux solutions. La première, pas terrible, on fait un empilement de laine. Mais c'est l'endroit conducteur, on va pas mettre quelque chose. Alors, une petite astuce que certains connaissent sûrement déjà, on va utiliser du fil, parce que le fil est très peu visible. Donc, on va le placer au-dessus des carpettes, comme ça. Donc là, vous voyez, vous avez vos deux fils. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à placer vos tapis par-dessus. Et voilà, le tour est joué. Donc de même, hein, je ne l'ai pas détaillé quand je construisais, mais pour faire des rétros, hein, un petit panel qui dépasse sur le côté et un interrupteur, ça fait des très bons rétros. Donc là, on commence à avoir une bonne forme de base pour le Monster Truck. Maintenant, on va s'attarder sur tous les petits détails qui vont faire que ça va rendre sympa. Donc des petits boutons sur le côté pour faire les prises d'aération. Bouton de portière et puis bouton tout le long, tiens, ouais, voilà, soyons fous, bouton tout le long, tac, ensuite, alors, panneau, tac, 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 et tac. Alors, plusieurs options pour le Monster Truck. Déjà, si vous voulez le personnaliser, vous pouvez mettre des crânes ou non. Pour les crânes, moi j'utilise des crânes de mobs standard, mais si vous êtes en survie, vous pouvez utiliser des crânes de Wither. Alors bon, ça coûte un peu cher et ça met un peu de temps à fermer, mais ça marche aussi très très bien. Donc là, je prends mes crânes. Moi, j'aime bien, j'en mets dans les phares. Vous pouvez les laisser comme ça. Hein. Pour les phares, on utilise des item frames. Ensuite, derrière, la même chose, les phares et on va mettre un bloc de redstone. Si vous n'êtes pas riche, vous pouvez mettre des blocs de laine, ça marche aussi. Mais le bloc de redstone, vous voyez, on donne plus cet aspect phare, justement. Ensuite, on va utiliser des panneaux sur le côté pour mettre un petit poil de relief. Voilà, comme ça. Tac. Tac. Plaque d'immatriculation. Alors, ça, c'est une petite référence pour ceux qui ont déjà joué à Age of Empires 3 et qui ont utilisé les codes. Hein, c'est pas bien. Je sais pas si 2, 3. Alors, une lettre et trois espaces hein, pour reproduire le même sigle que celui que je suis en train de faire. Donc là, par exemple, N, 1, 2, 3. A, 1, 2, 3. T, 1, 2, 3. O et R. Voilà. Vraiment plutôt sympa. Alors, la même à l'arrière. On va changer. Qu'est-ce qu'on va mettre là ? On va être original. Alors là, on va mettre qu'un espace entre chaque lettre. Hop. Donc, vous pouvez jouer comme ça hein, pour faire des écritures sur les panneaux. Utiliser des petits sigles en haut, en bas, comme j'ai fait là, les petites lignes. Là. Et au milieu, là, on va mettre que deux espaces. Et vous mettez des espaces entre les lettres pour que l'écriture prenne toute la place. Et vous voyez, ça rend plutôt sympa. Donc deuxième personnalisation, en plus des phares sur le dessus que vous pouvez mettre oui ou non, soit vous pouvez mettre par exemple des escaliers comme ça, auquel cas vous avez un Monster Truck, tout ce qui est de plus standard, soit un petit détail que j'aime bien, hop, deux barrières vers le haut, et vous avez des cheminées. Et encore mieux, vous pouvez les faire fumer, hop, avec des toiles d'araignée. En survie, c'est faisable aussi. Pour les toiles d'araignée, vous prenez des cisailles, vous les enchantez avec un livre style touch, une touche de soie. Et grâce à ça, vous pouvez récupérer les toiles d'araignée qui sont dans les mines et les réutiliser. Hop. Et du coup, bah, c'est terminé bah, pour la construction de la bestiole. Donc, je vais tourner un petit peu autour, bah, comme ça, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vais le mettre dans un petit décor un peu sympa, et puis je vous montre ça tout de suite. Je vous retrouve. Allez, à toutes. Et donc cette fois, on se retrouve pas dans la forêt, mais au bord de la mer. Donc, pour se dire au revoir. Oui, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc voilà, petit modèle de Monster Truck. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et comme d'habitude, vous pouvez reprendre le modèle. Il faut juste dire d'où ça vient.
Voilà, voilà. Allez, salut à tous. C'était Zanzag. Tchou. Hey, salut à tous! Bienvenue pour ce nouvel épisode de Zach Buil. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu particulier, puisqu'on va changer de... Non, tous mes épisodes sont particuliers, en fait. Faut que ça s'arrête, ça. Non, mais non, mais Zanzac, franchement, tu pourrais pas avoir des idées un peu dans ta... Putain, ça tourne quand même, hein. Ça fait mal à la tête, presque.